Vous êtes dans les Morning News, bonjour, bienvenue à la une ce matin, le forum sur la paix et la sécurité en Afrique, la montée des extrémismes violents, quelles réponses politiques ou militaires pour y remédier et comment mutualiser les efforts. Autant de questions au cœur des discussions qui se sont achevées mardi à Dakar. L'investissement, l'entrepreneuriat et la création d'emplois ont été débattus à l'occasion du dernier colloque digital Talents Africains, initié par le groupe Atidjari Wafa Bank, le groupe marocain engagé dans la lutte contre le chômage des jeunes. Dans une conjoncture économique précaire, le gouvernement zambien se dirige vers la réduction des dépenses publiques. Les subventions énergétiques sont suspendues dans le cadre du budget 2022. Mais d'abord, les derniers développements politico-militaires en Éthiopie, où Abiy Ahmed, le Premier ministre, dit quitter le front pour regagner son bureau dans la capitale Addis Abeba. Il a passé 15 jours à la tête de la direction des combats contre les forces du Tigré et leurs alliés. Et depuis le 1er décembre, les forces armées fédérales auraient repris le contrôle de larges parcelles de territoire aux insurgés. Depuis son éclatement en novembre 2020, la guerre entre les autorités éthiopiennes et le TPLF a fait jusqu'à présent des milliers de morts et déplacé plus de 2 millions de personnes. Le Forum sur la paix et la sécurité en Afrique, la 7e édition, s'est achevée ce mardi à Dakar au Sénégal, une rencontre consacrée à la question de la défense et de la sécurité en Afrique. Militaires, chercheurs, responsables de grandes organisations et décideurs politiques étaient présents. Des dizaines de chefs d'État et de gouvernement, mais aussi des ministres, avaient également fait le déplacement à ce forum consacré principalement aux défis sécuritaires au moment où le continent fait face à une recrudescence des attaques terroristes. Aménédji. En Afrique, plusieurs facteurs socio-économiques ont contribué à la croissance du terrorisme et de l'extrémisme violent. La pauvreté généralisée, le manque d'opportunités éducatives et d'emploi pour les jeunes, les tensions ethniques constituent autant d'éléments déclencheurs des conflits armés. Une situation qui favorise la recrudescence des foyers de violence. Exemple de certains groupes armés semant la terreur dans l'est de la RD Congo. Les solutions militaires ont démontré leur faiblesse. Et je pense qu'il n'y a aucune armée qui peut faire face à cette bataille, enfin ces terroristes qui font une bataille asymétrique. Donc il y a également la nécessité de s'appesantir sur d'autres solutions qui peuvent être des solutions surtout d'engagement communautaire et de conscientisation, enfin d'information et tout le reste. En 2020, 1878 attaques terroristes ont été recensées sur le continent. 59% des attaques ont été perpétrées contre des civils, 35% contre les personnels des forces de défense et de sécurité. Face à ces chiffres, des observateurs ont attiré l'attention sur la fragilité de la communauté internationale. Le résultat, c'est que nous sommes pris tellement tard. Nous avons tellement investi dans le militaire que nous avons négligé l'éducation, la santé. Le président Macky Sall a parler des effets des ajustements structurels et nous sommes devant un mal là où nous sommes obligés maintenant de jongler en gérant les impératifs et les urgences sécuritaires tout en s'occupant de la prévention. C'est une gymnastique assez compliquée mais il faut la faire. Les experts pensent que le terrorisme doit plutôt être vu comme une réalité locale, nécessitant un contexte d'échange d'idées, d'approches prospectives et préventives et non plus comme un fait lointain. Pour certains, limiter la répression militaire en favorisant la présence massive de l'État protecteur pourrait renforcer le dialogue et faire place à un sentiment national d'appartenance. Les fonds souverains gagnent du terrain sur le continent africain. Il s'agit de fonds d'investissement détenus par les gouvernements. Et dernièrement, 24 pays africains ont émis leur volonté de mettre en place un dispositif dédié à ces fonds souverains. Philomène Tine. 24 pays africains ont mis en place ou projettent actuellement la création des fonds souverains. C'est ce qu'ont affirmé certains experts en marge de la conférence économique africaine qui a eu lieu du 2 au 4 décembre 2021 au Cap-Vert. Les fonds souverains sont conçus comme fonds de stabilisation. L'Afrique, malgré ses richesses en termes de matières premières, fait encore figure d'élève dans ce domaine. Chez nous, les pays africains, il est très difficile de mettre en place des fonds souverains parce que, en termes commerciaux, on est largement déficitaire, on n'est pas du tout dans les excédents commerciaux et l'épargne privée n'existe quasiment pas. Avec les maigres ressources qu'ont les différents citoyens, ils ont déjà du mal. Donc il est très difficile pour les États africains de mettre en place des fonds souverains très sérieux.
Destinée en premier lieu à contrer la volatilité des prix des matières premières et diversifier les sources de revenus, les fonds souverains africains ne sont pas encore à la hauteur des ambitions. Sur le continent, ces fonds sont notamment constitués grâce aux recettes étatiques tirées de l'exploitation des ressources naturelles. L'arrivée de richesses minières, comme par exemple au Sénégal, l'arrivée du pétrole, fait augurer que ce seront des nations qui disposeront de fonds pour pouvoir justement alimenter leurs propres fonds souverains. Et généralement, les fonds souverains servent à investir dans les domaines essentiels pour le développement durable, qui va du secteur des infrastructures à celui de l'agriculture, en passant par l'énergie, l'eau potable, l'assainissement. Donc c'est une initiative qui aujourd'hui remplace petit à petit l'investissement privé. En 2019, les pays africains dotés des premiers fonds souverains sont l'Algérie avec 72,6 milliards de dollars, la Libye 60 milliards, le Botswana 5,5 milliards, l'Angola 2,3 milliards, le Nigeria 1,7 milliard de dollars. Selon le Sovereign Wealth Fund Institute, une source sur les investisseurs institutionnels et le capital mondial. Retour à présent sur la deuxième édition du colloque Talents africains organisé par le groupe marocain Tidjari Wafa Bank. La rencontre s'est tenue les 2 et 3 décembre. L'Afrique face à ses défis, comment les talents peuvent contribuer à l'émergence du continent, était la thématique retenue cette année avec au cœur la question de la création d'emplois. Philomène Thine. L'accélération des progrès dans la réalisation des objectifs de développement, c'est le thème abordé lors de la deuxième table ronde de la deuxième édition du colloque digital Talents africains organisé par le groupe Atidjari Wafa Bank les 2 et 3 décembre 2021. Selon les acteurs économiques, le continent possède un potentiel nécessaire pour constituer un espace de progrès, de croissance et de développement. Effectivement, nous avons la responsabilité et nous-mêmes en tant qu'acteurs financiers de contribuer à l'emploi, au développement socio-économique de nos pays de présence. Nous sommes en mesure d'attirer l'investissement industriel, privé, local et international au service de l'emploi et de la valeur ajoutée locale. Et c'est ce qui doit permettre de créer vraiment un développement pérenne et inclusif. Les chiffres de la Banque mondiale indiquent que les jeunes représentent 60% des chômeurs en Afrique. L'immense majorité d'entre eux qui ont un emploi se situent dans le secteur de l'économie informelle. Dans le but de contribuer à l'emploi et au développement socio-économique de ces jeunes, le groupe Atidjari Wafa Bank intervient dans les domaines des infrastructures, de l'industrialisation et de l'intégration économique sud-sud dans ces pays de présence. Nous nous efforçons d'intervenir d'une manière importante dans ce domaine en matière de développement des infrastructures portuaires, aéroportuaires, routières, de façon générale dans le transport et la logistique, mais aussi beaucoup en matière d'énergie verte. Le deuxième axe d'intervention crucial, évidemment, est celui de l'industrialisation, l'emploi des jeunes, l'intégration des jeunes du secteur informel vers le secteur formel passera nécessairement par l'augmentation de l'investissement et en particulier de l'investissement industriel. Le groupe Atidjari Wafa Bank a mené des initiatives à travers sa présence dans 16 pays. Il contribue aujourd'hui à rapprocher les opérateurs économiques africains et à attirer des investissements industriels et privés. 900 pièces archéologiques restituées par les États-Unis aux autorités maliennes. Ces œuvres sont issues de pillages et de trafics illégaux. La rétrocession a été actée ce mardi. La plupart des œuvres avaient été saisies par les douanes américaines entre 2008 et 2011. Choguel Maïga, le Premier ministre de Transition, salue cette restitution. Le bel exemple du gouvernement des États-Unis mérite d'être suivi par tous les pays où sont conservés des objets du patrimoine national, a déclaré le chef du gouvernement. La Zambie compte poursuivre son plan de relance économique et l'une des mesures pour y parvenir consiste à réduire les subventions énergétiques. Le ministère des Finances et de la Planification indique que les subventions au carburant ont été suspendues au niveau du budget 2022. Joël Ballot. La Zambie est engagée à redresser son économie. Le gouvernement veut réduire les subventions sur le carburant et l'électricité afin de diminuer les dépenses publiques. Une décision qui devrait soutenir le relèvement de l'économie zambienne, affaiblie par une dette colossale estimée à 101% du PIB en 2020 selon les chiffres du Fonds monétaire international. Actuellement, pour convaincre le FMI sur la mise en place d'un programme de rééchelonnement, le nouveau gouvernement a proposé de supprimer les subventions sur les engrais, l'électricité et les carburants, ce qui risque d'entraîner un fort mécontentement social, bien que le nouveau gouvernement commence à s'attaquer frontalement à la corruption et à la gabegie des élites.
Le ministère des Finances et de la Planification a déclaré que les réductions se feraient de manière progressive afin d'atténuer les effets négatifs sur la population. Par ailleurs, le gouvernement zambien avait dépensé environ 67 millions de dollars pour subventionner le carburant par mois. Mais dans le budget national 2022, aucune subvention au carburant ne serait prévue, indique le ministère. Le mécontentement social risque à terme de réduire à néant le programme qu'il avait promis de mettre en œuvre pour sortir la Zambie de ce cycle infernal d'endettement et de misère de la population, alors que le pays est assis sur des richesses qui pourraient en faire un pays solide économiquement et socialement. Il faudra de la volonté politique et puis une ambition pour faire sortir la Zambie de ce cycle d'endettement et de sous-développement et de misère. Pour le gouvernement zambien, la suppression des subventions énergétiques libérera des fonds pour des projets de santé, d'éducation et d'emploi. Notons que le 3 décembre 2021, la Zambie a conclu un accord de financement avec le Fonds monétaire international qui devrait, une fois approuvé, lui fournir environ 1,4 milliard de dollars au cours des 3 prochaines années pour sa relance économique. Le difficile chemin vers l'industrialisation du secteur automobile sur le continent, la transformation des lignes de montage en usines de fabrication peine à avancer. En République démocratique du Congo, certaines structures souhaitent inverser la tendance avec la fabrication de batteries électriques plus respectueuses de l'environnement. Reportage entre correspondants Jacques Mboka. La transition vers les énergies vertes suscite un espoir pour les économies africaines. La République démocratique du Congo, à la tête d'un méga projet de fabrication des batteries et véhicules électriques, doit poser des bases pour le succès de ces projets. Un modèle économique bien cohérent avec l'adhésion de l'ensemble du continent est donc nécessaire pour que l'Afrique ne passe pas à côté de cette aubaine qui se présente. Le premier modèle qui va être développé effectivement, c'est qu'il a été retenu qu'on puisse mettre en place un conseil des batteries de la RDC. C'est-à-dire quoi le conseil des batteries? C'est un instrument qui va assurer le suivi et la mise en œuvre de cette politique d'installation effectivement des unités de production des batteries électriques. Dans ces marchés d'environ 800 000 milliards de dollars à la portée du continent noir, l'Afrique tout entière est appelée à accompagner la République démocratique du Congo qui mise sur la richesse de son sous-sol pour changer la donne et asseoir son économie. Lorsque les États africains, à travers leurs acteurs politiques, vont consacrer 30 à 50% des débats sur des questions économiques, ce sera la renaissance et l'émergence de l'Afrique. L'Afrique est dominée par des débats politiques. C'est des distractions. Dans tous les États africains, quand vous les voyez, les capitales africaines sont alimentées par des débats stériles. Co-organisé par la Commission économique pour l'Afrique et les ministères de l'Industrie de la RDC, le DRC Africa Business Forum, qui a eu lieu du 24 au 25 novembre à Kinshasa, a étalé l'incontournabilité de l'Afrique dans la transition vers les énergies vertes. Une position qui nécessite par ailleurs un leadership clairvoyant pour l'Afrique, soutiennent les observateurs. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Restez sur notre chaîne. L'actualité se poursuit sur Africa 24.